How soon would you kiss me? Because in Brazil, kissing is different than it is in the United States. That's one thing I love about it. And I think she said right away if she likes me. And I said, oh, really? So how soon would you go home with me? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu à la fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Hein, tu connais ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, de passer à l'action, de créer ta vie sur mesure. Hein, et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à la NEC. Regarde quand même. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus sur investir dans l'immobilier, dans les startups, investir dans les crypto, e-commerce, personal branding. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras mettre ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Ok, c'est des personnes qui sont formées. Si jamais il y a peut-être une autre formation de quelqu'un d'autre, même si on ne travaille pas avec lui ou si jamais c'est meilleur pour toi que tu prennes une autre formation ailleurs, eh ben on te le dira. Bref, en tout cas, si jamais tu prends Pirate Marketing, sache que ça sera dur, ce sera long. Voilà, c'est 2 à 5 ans pour pouvoir être libre et pas d'excuses. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique dans le quartier des Pyramides à Évry. Arrêtez de chialer, j'ai connu le business en ligne, j'avais déjà plus de 30 ans, ok, et j'ai aucun regret, honnêtement. Le seul regret que j'aurais, évidemment, c'est d'avoir commencé plus tôt, mais comment tu fais pour commencer plus tôt, enfin, comment tu fais pour avoir les infos? Bref, en tout cas, tous ceux qui aiment procrastiner, sachez les gars que le temps, vous n'allez jamais le récupérer. Chaque seconde qui passe, tu ne le récupères plus jamais. Donc après, à toi de choisir. L'argent, ça vient, ça repart. Mais le temps, c'est mort. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc comme tu le sais, le marché du dating est de plus en plus difficile pour les hommes. Et je pense que je ne sais pas à quel moment ça va s'améliorer, mais je ne pense pas que ça va s'améliorer comparé à il y a 20 ans peut-être, avant l'explosion de Instagram, etc. Tout se passait pour le mieux. Maintenant, c'est terminé, les gars. Et puis avec le mouvement des féministes, etc. Bon, donc tout ça, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que ça a créé certains mouvements. Parce que tu sais que les hommes de 18 ans à 30 ans, un tiers des hommes n'ont pas de relations sexuelles ou n'en ont pas régulièrement. Ok ? Ça, c'est les chiffres des États-Unis. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je pense qu'on ne doit pas être trop loin. Tout ça pour te dire qu'en gros, si tu es moyen aujourd'hui, bah, tu galères. Voilà. Alors qu'un gars moyen, à l'époque, il n'y aurait pas eu de soucis. Et donc, du coup, ça a créé certains mouvements, surtout aux États-Unis, tout ce qui est à l'ouest, là, États-Unis, Canada, où vraiment le féminisme est vraiment implanté de malade. Les gars, ils commencent à dire, bon, ben, ok, c'est le bordel ici. Ok, bon, ben, les gars, on va voyager, on va aller ailleurs pour trouver des femmes. Ok, donc certains vont dire, ouais, c'est pas bien, tout ça, machin, oh là là, t'as honte. Pourquoi tu restes pas dans ton pays pour trouver des femmes? Là, il y en a qui vont essayer de, ce qu'ils disent en anglais, les shame. Mais j'ai envie de te dire, c'est la modélisation. La modélisation, elle est partout. Hein, c'est comme pour les femmes. Hein. Les femmes, elles peuvent être au Bangladesh, si jamais c'est un 10, il y a un gars de Dubaï qui va l'inviter, ou un gars de Miami qui va lui payer un avion pour qu'elle vienne. Machin. Donc la modélisation, c'est pour tout le monde. Ce serait stupide pour les hommes de rester juste là. Pendant que elles, les femmes, elles, il n'y a aucun problème. Elles prennent des avions dans tous les sens, elles sont sous des yachts. À un moment donné, les gars, soyez intelligents. Alors tu me diras, mais moi, comment je fais pour voyager, c'est chaud, etc. C'est pour ça qu'il faut créer son business en ligne, les gars. C'est un peu l'idée. Donc du coup, bref, pour revenir à ça, il y a un gars qui s'appelle Passeur Bro. Lui, c'est ce qu'il prêche. Il dit, les gars, arrêtez de vous prendre la tête avec les meufs des States. Juste bougez. Et lui, son pays préféré, c'est le Brésil. Okay, il a voyagé en Colombie, il a voyagé aussi en Thaïlande. Donc, il a fait un petit peu le tour. Et là, récemment, il s'est installé au Brésil parce qu'il trouve que les Brésiliennes, ce sont les femmes les plus magnifiques, les plus féminines, les mieux. Enfin, pour lui, il n'y a rien de comparable aux Brésiliennes. Et donc, du coup, il a fait une vidéo où il parle de ça. Okay? Et je trouve que, bon, je te donnerai mon avis après la vidéo, je trouve qu'il a été un petit peu maladroit, tout simplement parce que, bon, du coup, il s'est fait menacer. Il y a une meuf qui a dit, ouais, je vais signaler à la police. Il y a d'autres personnes qui lui ont dit, ouais, j'espère que tu te prendras une balle dans la tête, etc., etc. Ouais, parce que je t'ai pas dit, mais en fait, il a fait une vidéo et il l'a mis sur Twitter et ça a été viral, ça a buzzé de ouf. Donc, ça a fait des millions et des millions de vues rapidement, en très peu de temps. Et donc, du coup, tous les gens, ils étaient vénères. Mais les gens du Brésil, tu vois, après, il a dit aussi, il y a des gens des States aussi, les meufs, elles étaient aigries, tout, etc. Parce qu'évidemment, les meufs, elles sont vénères. Les meufs, elles mettent en galère tous les gars. Les Américaines, elles mettent en galère tous les gars, mais elles sont vénères et elles essaient de shame le gars parce qu'il va ailleurs et qu'il dit que les meufs ailleurs, elles sont mieux que les Américaines. Tu vois, en fait, les Américaines, elles veulent que les Américains restent là, qui galèrent, qui, voilà, qui, en plus, elles manquent de respect, etc. Elles veulent toujours garder le contrôle, en fait.
Bref, ça c'est encore une petite parenthèse. Je te laisse regarder ce qu'il dit par rapport à ça. I'm gonna show you, and I'm yeah, I'm gonna show you. These women say that they have went to the local women's police station. I didn't even know those existed, but the women's police station to report me. Now, what I'm not understanding is, what are you going to tell the police? Because you're going to have to lie for me to be breaking the law. You know what I mean? All I said in the video was, how soon would you kiss me? Because in Brazil, kissing is different than it is in the United States. That's one thing I love about it. And I think she said right away, if she likes me. And I said, oh really, so how soon would you go home with me? And I asked that because in the United States, a man can take a woman on 75 dates and get a side hug every time. But in Brazil, I have said, women in Brazil, more often than not, like 90% of the time, they're not going on a date with you. They're not even going to give you their number if they're not interested in you fully. You have it happen sometimes, but that's definitely not common here. And I've always admired that about Brazilian women. I love it because I don't like to waste time. And then I said after that, after she was like, you know, I wouldn't waste any time. I would go home with you the same day if I had time. I said, that's all I needed to know. Get your passport. Because that was proof of my point that, hey, these women value time. They have clarity. They know what they want. That proves that. Because the United States is different. But this isn't about the United States right now. There's a woman, or I don't know, that says, I hope that you catch a bullet in your head, you effing gringo, or something like that. And I'm like, bullet in the head? For what? Why would either me or the female get shot? You know, what kind of threat is that? And that was like, you know, wow, like there's some people, and I know it's just the internet, and people, it's easy to say that online. You know, it's very easy to say stuff like that online. That's part of the internet nowadays. But what would make you say that? Bon, il a été super maladroit, concrètement. Là, il dit qu'il comprend pas et tout. Il a juste voulu mettre en lumière la différence qu'il y a culturelle des femmes au Brésil et aux États-Unis, et que... au Brésil, les meufs, elles savent ce qu'elles veulent, elles veulent pas perdre leur temps, et que genre, si elles aiment bien un gars, si elles donnent le numéro, genre, si jamais tu lui plais, déjà, elles donnent leur numéro, si jamais seulement tu lui plais, et derrière, si jamais tu lui plais, bah, tu l'embrasses, et peut-être dès le premier date, elle peut venir chez toi, etc., etc. Et après, il dit, ouais, les gars, prenez votre passeport, tu vois. Et lui, il voit rien, il voit pas le problème. Il voit pas le problème, mais t'es pas. Non, j'ai dit non, tonton, t'es pas sérieux. T'sais, à un moment donné, tu peux pas dire ça. Évidemment que ça fait genre. Les meufs, elles sont faciles, les Brésiliens, elles sont faciles. En fait, en gros, quand on regarde la vidéo, ça fait genre. Les meufs, elles sont faciles, venez les gars. Et venez enjoy les Brésiliennes parce que c'est facile ici. En gros, c'est des. Comme si c'est des bêches, quoi. C'est des filles faciles, tu vois. Donc forcément, c'est normal que. Parce que le Brésil, c'est un gros pays, hein. Je crois que c'est peut-être la. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que. Financièrement, je crois que c'est la plus de l'Amérique latine, je crois que c'est le numéro 1, tu vois. De toute façon, j'étais au Brésil. Après, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois. Mais je vais jamais faire une vidéo où je vais dire ça, tu vois. C'est vrai que, ouais, quand la meuf, elle donne son numéro, si tu lui plais, si vous vous voyez, pour m'aider, même ce que t'as fait juste un café, vous êtes juste allé au Starbucks, bah derrière, après, oui, c'est vrai que ça va vite, si tu veux, tu peux aller chez toi. Et, en tout cas, moi, je confirme ce qu'il a dit. Mais tu vois, je t'ai jamais fait une vidéo où je t'ai dit ça. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter les gens. C'est pas parce que les meufs, elles agissent de cette manière-là que ça veut dire qu'elles ont vu que tout le monde soit au courant, tu vois, par exemple. Tu vois, à un moment donné, voilà, c'est une culture qui est différente. Elles agissent de manière différente. Ça veut pas dire que c'est des bitches. Ça veut pas dire qu'après, elles sont pas sérieuses avec toi. Ça veut pas dire qu'elles sont pas féminines. Au contraire, elles sont super féminines. Donc évidemment, pour un gars, c'est le paradis, surtout pour les Américains, tu vois. Le gars, il sort de nulle part, il vient d'un truc où les meufs, comme ils disent, tu fais 70 dates et elles te donnent rien. À genre, t'arrives au Brésil, c'est les mêmes meufs, c'est les mêmes meufs. Et genre, premier date, t'as même pas besoin de faire plein de trucs. Juste, elle, en fait, si jamais elle te kiffe, c'est bon. Tu vois, y a pas besoin de plus. Et après, j'ai vu qu'il y a un message où il y a une meuf qui envoie un message comme quoi, il a dit, ouais, tu es un site au touriste sexuel, c'est interdit, etc. Je suis signalé à la police. Et je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, c'est quoi le touriste sexuel? Voyons voir un petit peu la définition, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'elle dit ou pas, tu vois. Donc, touriste sexuel, d'après Wikipédia,
C'est le tourisme sexuel est un type de tourisme pratiqué par des individus qui voyagent dans le but d'avoir des relations sexuelles à caractère commercial avec les habitants du lieu de destination. Bon, d'ailleurs, il n'est pas à caractère commercial, je pense, par rapport à ce que lui fait. Cependant, d'autres types de relations sexuelles existent dans les lieux touristiques et qualifiés de normal. Touristes de rencontre, touristes libertins, par exemple, sont considérés par des auteurs comme relevant du tourisme sexuel. Ah, ben en fait, dès que tu as une relation sexuelle en dehors de ton pays, c'est touriste sexuel. Ah là 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 là, c'est un petit peu exagéré, non? Hein? Après, c'est vrai que normalement, ok, touriste sexuel, si je reprends les débuts de la phrase, est un type de touriste pratiqué par des individus qui voyagent dans le but. Après, si tu ne voyages pas dans le but, ça change. Bon, c'est un petit peu... Donc en gros, ouais, il faut avoir des relations sexuelles sûrement dans son pays. Sinon, touriste sexuel. Bref, en tout cas, effectivement, c'est vrai que là, par rapport à la définition, peut-être qu'il aura peut-être des soucis, hein, j'en sais rien. Mais c'est clair qu'en tout cas, c'est super maladroit et que oui, enfin, je ne sais pas pourquoi ils ne s'en rend pas compte, mais oui, ça, tu ne fais pas ça. Tu vois. Lui, dans sa perspective, il voit les choses, ah non, mais ça déchire, elles savent ce qu'elles veulent, hein, je ne sais pas, tu es juste en train de montrer que ouais, c'est des filles faciles en fait. Voilà, donc non, ça ne le fait pas, les gars. Hein, tu vois, moi, je ne fais jamais de vidéos, même quand les meufs, je fais des interviews avec elles, tu n'as jamais entendu dire que les meufs, elles sont faciles. Je donne des petits insights, comme ça, des petits trucs, sois vigilant. Je peux te dire, par exemple, que oui, le Brésil, ça se passe très bien. Voilà. De toute façon, là, t'es au courant maintenant. Oui, le Brésil, ça se passe très bien. Et ça ne veut pas dire que c'est des prostituées, ça veut dire que... Enfin, des filles faciles, plutôt, parce que tu ne les payes pas. Ça ne veut pas dire que c'est des filles faciles, ça veut dire juste que c'est la culture, c'est comme ça qu'elles sont. Quand elles aiment un gars, voilà, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et après, c'est des meufs bien, fidèles, qui prennent soin de toi. Les filles brésiliennes sont super féminines. Un peu comme dans tous les pays, mais quand même, là, les Brésiliens sont féminines, ouf quand même. C'est la femme parfaite, un petit peu. De toute façon, c'est pour ça qu'il est là-bas. Quand tu as dit, ouais, mais pourquoi toi? Chacun ses goûts, frérot. Moi, je fais ce que je veux, tu vois. Mais après, si tu veux des conseils à rapport à ça, oui, je te dirais, premier, Brésil, ça se passe très très bien. Thaïlande, et je mettrai en deuxième Thaïlande. Colombie, non, c'est pas comme le Brésil. C'est pas, voilà. Colombie, je pense que ça va peut-être au niveau d'être comme les Françaises, peut-être. Je pense. À peu près pareil, tu vois. Voilà, bref, je sais plus, de toute façon, je dis ça, mais en France, j'ai même pas d'été beaucoup. Mais c'est sûr que Brésil et Thaïlande, ça n'a rien à voir par rapport à la Colombie, tu vois. C'est juste que les Colombiennes, par contre, elles sont belles. C'est juste après, tu reviens dans la game normale, toi, donc en train de travailler sur toi. Mais si t'es un gars moyen, c'est vrai qu'un gars moyen qui va au Brésil, bah lui, il sera refait, quoi. Et même en Thaïlande. Donc voilà, bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi, je trouve quand même que c'est maladroit et que même si c'est vrai, tu le dis pas, ces trucs comme ça. C'est normal que, tu imagines, il y a un gars qui vient faire une vidéo en France et il dit « Ouais, les meufs, les gars, pff, hey, premier jour, bise, machin, après, tu l'emmènes chez toi, normal, venez, prenez, hey, les gars, venez tous, venez !» C'est abusé, c'est normal, les gens vont s'énerver. Ils disent « Oh, oh, respecte nos meufs, mec, t'es sérieux, toi ?» Même si on sait, chut, non ? Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description, le secret nature féminine, Funnel Tinder, les gars. Funnel Tinder, je vous montre exactement comment avoir des dates en illimité. À un moment donné, j'ai fait tous les continents, donc je sais de quoi je parle. Ça a été testé, réapprouvé. Si t'es au moins moyen, tu auras du résultat. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp.